Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment contrôler votre appareil photo Sony depuis votre ordinateur en utilisant le contrôle à distance. Pour savoir si votre appareil photo est compatible, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Dans un premier temps, téléchargez l'application Remote Camera Control sur le site d'assistance technique de Sony. Vous pouvez la trouver facilement en cherchant Sony Remote Camera Control sur un moteur de recherche. Une fois téléchargée, installez et ouvrez l'application sur votre ordinateur. Allumez ensuite votre appareil photo. Allez dans le menu de votre appareil et vérifiez que l'option connexion USB est bien réglée sur PC à distance. Branchez votre appareil photo à votre ordinateur avec un câble USB. Le logiciel Remote Camera Control va reconnaître votre appareil et le connecter. Avant de réaliser vos prises de vue, vous devez choisir où vous désirez sauvegarder les photos. Rendez-vous en bas de l'application, dans la section Sauvegarde, et choisissez le dossier de destination. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser l'application pour contrôler entièrement votre appareil depuis l'ordinateur. Vous pouvez modifier l'ISO, la focale, la balance des blancs, la dimension et qualité des photos et bien plus encore. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le paramètre désiré, puis utiliser les boutons plus et moins. Avec Remote Camera Control, le paramétrage est parfois plus simple et rapide que sur l'appareil photo. C'est un très bon outil si vous avez souvent votre ordinateur avec vous quand vous prenez des photos. C'est aussi très utile si vous travaillez dans un studio photo ou si vous aimez faire des time-lapse ou des prises de vue en pose longue. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la.